Astuce pour bloquer un homme pour qu'il soit rien qu'à toi, ma chérie. Tu attends quand le gars vient chez toi. Dès qu'il retire sa chaussure, dépose, tu récupères sa chaussure comme ceci. Quand tu récupères sa chaussure comme ça là, tu vas rentrer prendre le coton. Tu prends ton parfum qu'il connaît comme ceci. Tu vas appuyer le parfum sur le coton. Vous voyez? Faut bien appuyer, c'est très important pour qu'il y ait le parfum. C'est ça qui va nettoyer toutes les empreintes qui est dans la chaussure. Tu nettoies tous les empreintes, même si c'est les chaussures fermées. Toute la partie où le mort dépose ses pieds là, tu vas nettoyer tout. Tu nettoies tout de deux côtés. Tu nettoies tout. Tu nettoies. Faut faire cela quand le gars vient d'arriver chez toi. Parce que là, il y a encore les empreintes sur ça. C'est encore bien frais. Ne prends pas une vieille chaussure qui est là-bas depuis. Fais ça avec la chaussure que le gars vient d'arriver avec. Tu retires toutes les empreintes de ses pieds comme ça. Là. Voilà, tu attends quand le gars passe laver. Tu profites, ma chérie. Tu fais ça vite fait. Voilà. Tu nettoies tout. Pas ici en haut. Hein. Ici dedans, tu nettoies tout. Quand tu nettoies comme ça, tu retires, voilà la saleté qui est ici. Tu vas prendre la date, tu vas fendre la date, tu retires le noir, tu déposes à côté. Et tu prends le coton, tu mets dans la date, tu refermes la date et tu attaches avec le fil rouge. Tu attaches qu'on ne voit plus rien du tout. Tu cherches un coin dans ta valise où personne ne doit jamais voir, tu bloques ça là-bas. Le gars va tourner, 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 il va toujours revenir chez toi. Faites cette tâche, vous allez venir témoigner. Il va tourner sur son carrefour, ma chérie, son terminus. Bonne chance à tous. Pour plus d'infos, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche en haut de l'écran. Bisous.